Toujours moi, nous sommes Hospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, les gars, je vous présente aujourd'hui une bourse de la Turquie. Voilà, parce que cette bourse, je l'avais déjà présentée, mais comme il y a eu assez de messages sur cette bourse, donc j'ai voulu donner quelques directives et puis quelques rectifications pour que vous sachiez au moins comment est-ce que vous devez postuler. Et en ce qui concerne la bourse de la Turquie que vous avez déjà fait, la bourse du gouvernement turc, voilà, il y a déjà des réponses. Voilà, il y a déjà des réponses. Quand je dis des réponses, c'est des vérifications des dossiers qui sont un peu avancés. Et n'oubliez pas, je suis en train d'expliquer pour la bourse de Turquie, pour le gouvernement turc. Voilà, c'est pas pour cette bourse que je suis en train de vous expliquer. Voilà, donc vous devez rester calme. Voilà, ne traumatisez pas. Parce que c'est pas le truc n'est pas en groupe, c'est individuel. Ils vont vous recontacter de façon individuelle pour vous exposer s'il y aura peut-être l'interview ou pas et tout ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est pas un souci. Ce que vous devez faire, vous devez rester concentré sur votre plateforme, la plateforme qui est là, et à chaque instant, vous devez regarder parce que s'il y a des interviews, ils vont vous le dire, ils vont vous donner des dates pour pouvoir faire vous interviewer. Et en même temps, je voulais aussi féliciter ceux qui ont eu la bourse de l'Inde. Voilà, donc n'oubliez pas, pour la bourse de l'Inde, il n'y a pas une histoire de liste. On vous envoie directement dans votre boîte mail, voilà, ou bien sur la plateforme sur laquelle vous avez postulé. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente la bourse de Turc. Voilà, une bourse de Turc, je dirais pas vraiment une bourse, une subvention. Voilà, Turc, qui est la bourse de l'université Antalya. Donc, pour ceux qui veulent postuler pour l'université Antalya, voilà, l'anglais n'est pas vraiment obligatoire, mais sachez que si vous avez cette bourse, vous allez faire des années, une année de langue. Voilà, maintenant, ceux qui vont avoir un certificat, alors ils seront exemptés de cette année de langue. Voilà, ils vont commencer directement leur cours. Donc, c'est un peu ça. Pour pouvoir postuler, c'est d'abord, vous savez déjà tout. Voilà, le passeport, une lettre de recommandation, voilà, une photo numérique et puis vos diplômes. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que vous devez remplir un lit. Voilà, pour ne pas... parce que j'avais déjà fait cette vidéo et il y a encore des personnes, des étudiants qui m'ont envoyé des messages sous prétexte qu'ils ne voient pas où est-ce qu'ils doivent postuler, comment est-ce qu'ils doivent postuler et tout ça. Comme je vous l'ai dit, si je dois vous donner des informations, alors je dois pouvoir faire assez de vidéos. Et quand je fais des vidéos aussi trop longues, voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire toutes les vidéos pour postuler aux bourses. Parce que par manque de moyens et tout ça, alors j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus courtes pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vidéo plus courte, cela signifie que je n'ai pas le droit de remplir moi-même et tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc les gars, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc apportez vos dossiers, c'est-à-dire passeport, lettre de recommandation, une photo numérique et vos diplômes. Voilà. Donc pour ceux qui viennent pour le master, ils savent déjà, c'est la licence. Et ceux qui viennent pour la licence, c'est le titre de baccalauréat. Alors les gars, merci et à tout de suite. Ok les gars, donc c'est comme d'habitude, voilà. Donc c'est le site qui est là, vous pouvez regarder en commentaire ou bien en description, vous allez voir le lien qui est là-bas. Donc une fois que vous avez ce site, d'abord nous allons chercher à postuler pour l'admission et la bourse. Voilà, donc arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans... Pour ne pas aller trop loin, pour ne pas trop durer, ça sera une courte vidéo. Donc vous venez dans quoi? Dans futur étudiant. Voilà, futur étudiant, vous cliquez là et il y a l'interface qui est là. J'ai déjà fait une vidéo pareille, donc ça sera un peu facile pour vous. Ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas encore. Donc voilà, on essaie de faire pour que tout le monde puisse au moins postuler. Donc, étant donné que nous sommes des étudiants internationaux, voilà, étrangers, donc nous cliquons sur étudiant étranger.
Donc, une fois que vous êtes là, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, vous voyez ici, il y a How to apply, comment postuler. Voilà. Je mets le lien en commentaire, comme ça vous allez pouvoir aller venir ici directement pour pouvoir postuler. Donc ne vous inquiétez pas, parce que il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sur comment faire et tout ça, qui ne voyaient pas où est-ce qu'ils devaient remplir et tout ça. Donc voilà, la partie qui est là. Donc ici, comment s'inscrire? Si vous cliquez sur comment s'inscrire, voici tout ce que vous devez faire pour vous inscrire. Donc pour ceux qui viennent pour la licence, c'est ici. Pour ceux qui viennent pour une demande associée, c'est-à-dire des transferts, c'est là. Et pour ceux qui viennent pour le master, doctorat, c'est ce qui est là. Voilà. Maintenant, une fois que vous finissez, il y a la bourse qui est là. Et il y a, ils ont mis coûts et frais de scolarité. Ça, c'est pour ceux qui ne vont pas avoir la bourse et mais qui vont avoir une admission. Alors, s'ils veulent étudier, voilà, voici le coût des études en anglais, en Turquie et en turkish. Voilà, donc en anglais, vous voyez un peu, il va au maximum dans les 10 000 dollars. Et en turkish, on est à 8 300 et en médecine, on est à 14 000 dollars. Voilà, donc c'est vraiment un peu coûteux, mais nous sommes là pour des bourses. Voilà. Donc la bourse, je vous rappelle encore, la bourse elle peut être totale. Elle va de 20% à 100%. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir des réductions sur ces bourses-là, sur ces frais qui sont là, ou bien ils peuvent même vous donner 100% de frais. Ça, c'est pour les qualités de dossier. Voilà. Donc ici, vous venez dans formulaire de demande. Premier cycle, je considère qu'on vient pour le premier cycle, donc vous cliquez sur premier cycle. Voilà, vous allez voir ce qui est là et vous allez commencer à remplir le nom, prénom, ça vous savez déjà, passeport, nationalité, date de naissance et tout ça, vous savez déjà. Et en même temps, ce fichier vous montre aussi quels sont les documents que vous avez besoin, quels sont les documents dont vous avez besoin. Donc ici, le passeport que vous avez mis ici, le numéro du passeport que vous avez mis ici. Maintenant, vous allez mettre le passeport qui est sur votre ordinateur ici. Voilà. Donc quand vous cliquez, ça vous envoie directement dans votre ordinateur. Voilà. Vous choisissez le passeport et vous le mettez là. Après ça, vous choisissez aussi une photo. Voilà. De la même manière, vous faites aussi, vous cliquez dessus, vous allez dans votre PC et vous trouvez une photo, vous mettez aussi là. Ok, donc ici le pays, votre ville, votre code postal, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et après ça, votre mail, ce qui est primordial, parce que si vous devez recevoir un message, forcément il faudra avoir un mail qui est valide. Voilà. Et votre high school, c'est-à-dire où est-ce que vous avez étudié, le lycée par exemple. Voilà. Vous mettez aussi le lycée, le pays et tout ça. Et ici, Year of Graduation, si vous venez par exemple pour 2021, 2022, ça veut dire que vous avez eu le baccalauréat peut-être en 2021. Voilà. Et ici aussi, vous mettez aussi la note que vous avez eue. Comprenez? Voilà. Donc, c'est fait ça. Et ici, vous mettez le diplôme que vous avez eu, pour le diplôme du baccalauréat que vous avez eu. Et ici, vous devez mettre aussi les transcriptions. Vous pouvez mettre ici les notes. Ici, voilà. Les notes là. Après ça, ici, ce sont les informations sur les parents. Donc, votre père, sa profession et tout ça. Donc, c'est pas grand chose. Vous n'avez pas assez de choses à faire. Et ici, vous mettez please upload a copy of national score. Examen score. Donc ici vous mettez le diplôme de baccalauréat que vous avez eu. Voilà. Ensuite ici a copy of examen record acceptable by the university. Ici c'est pas obligatoire. Voilà. Et ici aussi
choisis Technique Before et Copy Language Proficiency TFL. Ici aussi, c'est pas obligatoire, donc c'est pas à prendre la tête. Voilà, parce que si vous êtes admis ici, si vous êtes admis, ils peuvent vous faire une année de langue en anglais. Voilà, donc c'est pas un problème. Ici, une lettre de recommandation. Si vous l'avez bien sûr, vous mettez là. Voilà. Ok, donc programme détail, préférence. Hein? Donc, quels sont les éléments, quels sont les filières que vous voulez faire? Vous les mettez là, 1, 2 et 3, selon vos préférences. Voilà, comme je vous disais, je ne vais pas durer cette vidéo parce que c'est juste des rappels pour montrer un peu à ceux qui ne comprennent pas comment est-ce qu'ils doivent faire. Ok, donc une fois que vous finissez, vous cliquez sur je confirme tout et vous cliquez sur l'élément qui est là pour submit. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui vont faire peut-être le master's pour c'est là, voilà. Donc, ils peuvent cliquer là, ils vont voir aussi des éléments s'ils doivent envoyer pour le master's. Si c'est pas mail que vous devez envoyer, alors vous devez remplir ici. Voilà, vous pouvez remplir et aussi envoyer. Voilà, c'est pas un problème. Voilà, vous mettez ici, je confirme et vous envoyez. Vous allez tirer et vous envoyez au mail qui est là. After filling out the please send to. Donc, vous envoyez au mail qui est là. Vous comprenez? Voilà, donc. Ça va dépendre de vous. Vous allez remplir tous ces éléments qui sont là. Voilà. Et vous envoyez au mail que j'ai mis. Que j'ai ici mis en bleu. Ok. Donc, on va repartir sur la forme. Sur la plateforme. Voilà. Et ici, on va vérifier le scholarship. Ici. Voici un peu les éléments qu'on vous demande pour le scholarship. Voilà, et extra scholarship opportunity. On dit les 10 premiers applicants vont recevoir 25% de l'extra discount. International student avec 110%. Voilà, donc vous comprenez, ça veut dire que cette bourse n'est pas totale. Voilà, et si elle est totale, alors cela va dépendre de votre qualité de diplôme, de votre qualité de diplôme ou de votre qualité de dossier. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est juste pour vous rappeler cela. C'est pas une vidéo qui est assez longue, donc essayez de voir ce que je viens de vous faire pour ceux qui m'envoient des messages. Donc c'est un peu ça. Et les gars, à plus. Девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы.
Девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше.
дальше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше, а ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми.